Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vectoriser une image euh, sous Illustrator. Vous allez voir que c'est très 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 facile. Donc on va partir de cette image que tout le monde connaît, qu'on va importer directement dans Illustrator et on verra quand la vectorisant on pourra récupérer son tracé. Et euh, du coup, on va pouvoir s'amuser à changer facilement les couleurs de chaque élément de euh, qui constitue l'image hein, comme par exemple ici sa casquette et par exemple ses chaussures ici voilà l'intérêt de vectoriser une image c'est qu'en rien on ne perd en sa qualité quand on l'étire à fond vous voyez comme ceci ou quand on la rétrécit voilà on ne perd pas de qualité ce qui est bien c'est que tous ces éléments vectoriels peuvent être importés après dans Photoshop pour, euh, bah pour tout simplement les retravailler. Cette technique marche euh, non pas que sur des, ce genre d'image, hein, ça peut marcher sur euh, votre propre photo ou par exemple sur un logo. Alors je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui, qui vous envoie un logo qui est tout petit, tout rikiki, par exemple, comme le logo Nintendo. Vous le vectorisez avec ces techniques et vous pouvez donc du coup récupérer son tracé pour l'agrandir et le ré réimporter dans n'importe quel type de document. Donc une fois qu'on aura vectorisé tout ça, on, on s'amusera un petit peu sur euh, sur Photoshop, hein. on pourra à l'aide d'un arrière-plan et euh, d'une typographie recréer une petite carte, on verra comment créer aussi bah, des, des ombres, des, des lumières et puis euh, etc. etc. Donc je vous retrouve euh, bah tout de suite hein, pour commencer le tuto. Je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Alors je vais vous demander d'ouvrir de, euh, le dossier source euh, qui est en téléchargement en bas de la vidéo. Dans ce dossier, vous allez avoir deux images et un autre dossier qui s'appelle Fonte. Bien sûr, ça va être pour installer une police sur son ordinateur. C'est une police gratuite, libre de droit. Si vous êtes sur Macintosh, vous l'installez dans votre disque dur, dans le dossier Bibliothèque et dans le dossier Fonte. Et si vous êtes sur Windows, vous l'installez de mémoire. Ça doit être dans C Windows Police. Ça doit être ça, si je ne dis pas de bêtises. On vient ouvrir Illustrator. On appuie sur les touches Command N ou Contrôle N pour créer un nouveau document. Ou sinon, on fait Fichier Nouveau document, tout simplement. Et on va venir. Euh, bon, là, on peut laisser les valeurs par défaut, hein, ce qui correspond à un 4. On fait OK. Donc là, je vais venir réduire un petit peu ma fenêtre. Et on va venir glisser Mario.jpg dans notre document. Voilà. Donc on peut revenir étirer. OK. On sélectionne Mario.jpeg, hein, on fait attention de bien euh, se positionner sur l'outil sélection, la petite flèche noire, et on va venir cliquer sur vectorisation de l'image. Voilà, Mario est vectorisé, et vous voyez qu'à côté, on a des paramètres prédéfinis hein, qui peuvent être intéressants, euh, comme par exemple logo noir et blanc, ça ne va pas donner grand-chose, mais plutôt euh, nuance de gris, ou 16 euh, couleurs. Alors là, on est vraiment euh, on est pas mal, même en bon, ces couleurs, ça peut être intéressant. On reverra ça tout à l'heure, surtout pour euh, ce genre d'illustration. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le logo noir et blanc. Et si on clique sur la petite euh, icône à côté pour ouvrir le panneau de, euh, des propriétés de la vectorisation d'image, on peut voir qu'on peut descendre ou augmenter le seuil. Donc, plus on va augmenter le seuil, bah, moins on va voir les détails. Et moins, euh, plus on diminue le seuil, ben, mieux, euh, plus les détails seront précis. Donc euh, bah là, moi, je suis pas mal, je trouve. Je suis en 18. Si je me mets en 20, ça donne quoi Eh bien, en 20, c'est très bien. On va se positionner en seuil euh, en 20. Et on va venir cliquer sur décomposer. Donc là, vous voyez, Illustrator nous a fait plein de points d'ancrage. Mais attention, là, ça ne se voit pas. Mais il nous a aussi euh, vectorisé le fond. Si on déplace Mario sur le, dans, sur le côté, hein, dans les bords gris, on voit qu'il y a euh, le fond est bien pris en compte. Donc, on va prendre l'outil flèche blanche et on va venir cliquer sur le fond. Ça va nous sélectionner que, euh, que ce calque, on va dire, et on va venir le supprimer en appuyant sur la touche SUP, hein, tout simplement. Voilà donc euh, si ce qu'on peut venir faire aussi, si vous voyez ici, il y a un petit jour on peut venir supprimer aussi donc on reprend la flèche blanche on clique dessus et on fait supprimer d'ailleurs on peut revenir réinsérer mario.jpg à côté hein. comme ça on a notre exemple notre vectoriel on peut le remettre au milieu de notre page voilà et là vous allez voir ce qui est très très intéressant avec cette technique c'est que si on continue donc avec la flèche blanche qui est outil de sélection directe, hein, on vient vraiment cibler un élément, vous voyez. Là, la casquette, on peut venir la cibler, donc le haut de la casquette. On prend la pipette ici, raccourci clavier c'est I, je crois, c'est ça. Et on va venir sélectionner par exemple la couleur orange. Et comme par magie, Illustrator nous remplit nos formes automatiquement. On fait la même chose. Avec la visière, on clique dessus, on prend la pipette, on lui met une couleur rouge par exemple. Ou un peu moins rouge. Alors là, euh, si on veut rester sur du orange, on peut rester sur du orange aussi. Si on veut du orange un peu plus, euh, un peu plus foncé, eh bien on redouble clic dans notre sélecteur de couleurs. Et on descend, euh, on descend au niveau des teintes. Voilà. Euh, au niveau bah, de la peau. Pareil, donc on vient sélectionner avec l'outil euh, ton direct, on reprend la pipette, on lui met une couleur peau, donc on revient sélectionner la peau de l'image d'origine. Ici, pareil, hein, il y a un petit trou. Tac. Donc là, on n'est pas obligé de revenir à chaque fois sur euh, l'image d'origine. On sait qu'ici, bah, ça va être la même couleur qu'ici, donc on a juste à venir recliquer. Parfait. Au niveau de sa moustache. On vient cliquer donc un petit raccourci aussi si vous êtes toujours sur euh, avec l'outil pipette vous appuyez sur la touche euh, commande vous voyez ça euh, ça revient en fait sur l'outil euh, l'outil euh, sélection directe par contre si on, on avait été précédemment sur l'outil euh, sélection normale donc la flèche noire là qu'on reprend la pipette quand on reclique, vous voyez, ça nous repre ça reprend en compte en fait le dernier outil qu'on a utilisé. Donc là l'outil de sélection. Là, on est sur l'outil ton direct. Donc parfait, on peut revenir sélectionner, vous voyez, en appuyant sur commande ou contrôle différentes zones de, de notre image. Donc là les cheveux, la moustache, et le petit, euh, petit bout de cheveux qui est là, on les sélectionne pour sélectionner plusieurs éléments à la fois. Donc, on appuie là sur CTRL pour reprendre l'outil flèche, enfin l'outil euh, sélection directe. On appuie sur SHIFT en même temps, et on appuie sur CTRL, et pareil, SHIFT et CTRL, et on vient sélectionner. Voilà, on relâche. Forcément, là, l'outil pipette revient, et on vient sélectionner un petit bout de... De cheveux ici pour avoir la couleur marron voilà au niveau donc de sa salopette on va venir sélectionner donc on peut zoomer aussi pour être un peu plus précis hein. on vient sélectionner cette partie cette partie ainsi que cette partie et on va venir cliquer sur la salopette voilà cette partie celle ci et celle ci sont en rouge parfait cette partie, on la sélectionne, on la met en jaune. Celle-ci est en rouge. Celle-ci, bah, tout ça, c'est en blanc, donc on peut laisser en blanc. Les chaussures, eh ben, on va les mettre en marron. Et les semelles, on peut euh, les mettre en marron un peu plus foncé. On peut les laisser en blanc comme vous voulez. Hein. C'est bien de les mettre en marron un peu plus foncé. Hein. Je trouve ça un peu plus mal. Voilà. Donc là, l'intérêt de... Euh, d'avoir fait cette chose, cette technique, c'est que donc si on sélectionne l'ensemble de notre document, hein, d'ailleurs, là vous voyez que tout est groupé, et que l'on vient étirer notre tracé en appuyant sur Shift pour rester pour garder les proportions. Alors là je l'étire exprès très grossièrement, vous voyez que en rien on perd en qualité. Donc euh, je reviens ici. Donc ça c'est très intéressant cette technique euh, et du coup ça va nous permettre aussi d'importer des éléments vectoriels par exemple dans Photoshop pour revenir les retravailler ou pour créer une affiche ou n'importe quoi. Alors cette technique s'applique aussi sur euh, pour de la pour de l'image. Si vous avez votre euh, je sais pas votre photo vous pouvez aussi la vectoriser en, feux, en refaisant cette technique. Alors je vous conseille hein, plutôt là de la passer en noir et blanc de pousser un petit peu les euh, les tons, euh, les tons clairs et les tons foncés pour avoir une image assez contrastée, pour avoir une belle vectorisation, mais euh, ça peut aussi marcher pour du logo ou n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, si on ouvre Photoshop, qu'on crée un nouveau document, on peut aussi se remettre en format international en A4, et on peut se en 172 DPI hein, en résolution, à titre d'exemple. Qu'on vient donc copier maintenant sous Illustrator notre Mario, qu'on vient le coller dans notre Photoshop en objet dynamique, non pas en pixel. Si on le colle en pixel, bah forcément, on, on, perd, euh, on va perdre le vectoriel, donc du coup, on le colle bien en objet dynamique. Voilà, et vous allez voir que sur Photoshop, pareil, hein, si on appuie sur CTRL ou CMD T pour transformation manuelle, et qu'on appuie sur SHIFT pour l'étirer, pour garder les proportions, vous voyez que même sur Photoshop, on ne perd en rien en qualité. C'est ça qui est fantastique. Donc là, on retourne un petit peu en arrière, en faisant CTRL Z, on peut euh, venir augmenter légèrement. Dans nos dossiers, dans notre fichier source, on a euh, une petite image qui s'appelle bg.jpg qu'on peut venir placer directement dans notre document donc là on peut venir l'étirer même un petit peu Tac. voilà on vient cela placer en arrière-plan ok vous voyez qu'on peut venir bah, s'amuser hein, vraiment à composer je sais pas un, facilement un flyer ou une affiche ou un carton d'invitation pour rendre euh, Mario un peu plus réaliste parce que là il est un petit peu posé, on peut lui appliquer une ombre portée, donc on peut créer par exemple un nouveau calque, le placer juste en dessous donc du calque Mario, prendre l'outil euh, pinceau, raccourci clavier B, là on peut se mettre euh, en épaisseur allez à 60 et en opacité on va se mettre en 20%. Vous allez voir pourquoi. Donc en épaisseur si on peut se mettre même en 100, pour, en 100 pixels, ça m'a l'air pas mal, voilà. Et là, on va donner, bah, tout simplement des, des, petits clics, vous voyez, pour lui appliquer une ombre portée. Donc, on commence léger, c'est normal, et plus on se rapproche en fait des pieds, plus on va venir cliquer. Voilà. C'est comme en dessin. Hein, forcément, une ombre, ben, c'est jamais un aplat de couleur, c'est toujours diffus. Donc, du coup, voilà, cette technique est très bien aussi, ça s'applique sur Photoshop. On peut venir prendre maintenant l'outil texte. On se met en blanc. Au niveau du sélecteur en premier plan, et là on va venir taper euh, Super Mario par exemple Bros. Alors, avec cette police, donc moi elle y est par défaut, mais vu qu'on vient de l'installer, et eh bien euh, elle s'appelle Super Mario Bros Browser, donc on vient de la sélectionner, de la chercher, et là en fait euh, par défaut je suis en capital ici. Donc je vais tout désélectionner. Donc si on écrit, on va dire euh, en bas de casse, ça va nous faire une police sans, euh, sans plein, donc avec du vide que avec des contours, avec du vide donc à l'intérieur. Et si on se met en capital, ça va nous remplir toute la police de blanc. Donc euh, voilà, c'est une petite astuce. Hein. On peut venir mettre ça sur deux lignes. Et pourquoi pas un petit coup de CTRL T ou Commande T sur le calque pour euh, tout simplement l'agrandir. Pour que ça soit un peu plus visible, on double-clique sur le calque, on lui applique une petite ombre portée. En taille, on peut se mettre en, en distance déjà on va se mettre à 0, on va tout remettre à 0. En opacité on va se mettre à 30. Et en distance, on peut se mettre en 5, 5 pixels, ça m'a l'air bien. Du coup, le, le, le calque Super Mario et le calque 1, on peut venir le baisser un petit peu. Voilà, ça nous fait euh, une petite carte euh, rigolote. Après, on peut venir se placer par exemple euh, sur l'objet dynamique vectoriel, donc le calque de Mario, créer un nouveau calque, là, on peut venir zoomer, et euh, tout simplement, donc, sélectionner maintenant l'objet dynamique vectoriel, reprendre, là, reprendre la petite baguette magique. Cliquez par exemple sur la visière, se replacer sur le calque 2. Là, on peut venir sélectionner le, la, sa casquette orange, venir se mettre en marron un peu plus foncé pour créer des ombres, reprendre le pinceau, se mettre, euh, prendre une forme un peu moins épaisse. Hein. En opacité, on peut se laisser à 20. Et là, vous voyez, on peut venir donner des, euh, des petits coups. Voilà. Pour lui appliquer des ombres, on peut faire exactement pareil avec donc la visière. Donc n'oubliez pas, on sélectionne le calque de Mario euh, avant. Donc on reprend la baguette magique, on clique sur la zone que l'on veut euh, où on veut interagir. Donc là, la, la visière. On se replace sur le calque 2 qui va être le calque qui va nous permettre d'appliquer les ombres. On reprend la pipette, on reclique sur la visière pour Récupérer sa couleur et on va baisser un petit peu la teinte pour pouvoir tout simplement lui appliquer une ombre un peu plus importante. Voilà. Pareil hein, pour euh, au niveau de sa peau. Hein, on clique dessus, on se remet sur le calque 2, on sélectionne la couleur de la peau, on baisse un petit peu la teinte, on reprend l'outil pinceau. Et là, en dessous de la visière, Donc, on peut se mettre peut-être en opacité 50, ce sera mieux. Voilà, on lui applique une petite ombre. Truc léger, hein. Etc. Etc. Après, on peut peut-être se mettre même en produit ou en obscurcir. Ça dépend. En produit c'est pas mal. C'est peut-être un peu violent là, vous voyez, ce mode de fusion, mais après elle nous empêche de baisser un petit peu l'opacité du calque. Voilà. Si vous voulez créer des, euh, des effets de lumière, bah pareil, on recrée un nouveau calque. Hein. On resélectionne par exemple la casquette. On se repositionne sur le calque 3. On reprend la pipette ici. On sélectionne la couleur orange, mais là on va venir euh, peut-être se mettre plus dans les jaunes, vous voyez, pour mettre une couleur un peu plus claire. Et là, vous voyez, pareil, on donne des petits coups. Voilà, pour jouer euh, sur les ombres et les lumières. Pareil, on peut se mettre en produit, en, en produit ou en plutôt en incrustation, là pour euh, ou en lumière tamisée. Incrustation, c'est pas mal. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai envie de vous dire hein, après à vous de jouer. Je vous remonte une dernière fois. Tac sur son visage. On va éclaircir par exemple le bout de son nez. Hein, et de son oreille. Donc là, par exemple, on se replace ici. Là on peut se mettre en blanc presque. On se remet donc bien sur le calque 3, hein, qui est notre calque lumière. On peut le renommer même en lumière. Voilà. Et là simplement venir donner des petits coups son son nez hop un peu de lumière etc etc on peut venir euh, même s'amuser en retournant sur illustrator et pourquoi pas en prenant l'outil maintenant euh, étoile si on fait juste un simple clic on peut spécifier à l'étoile euh, de lui donner euh, plusieurs bah plusieurs branches hein. on peut se mettre en allez en 30 et là on va se mettre déjà en blanc, ce sera mieux sans contour. On peut venir copier cet élément et venir le coller alors juste avant le background, hein, en objet dynamique. Et voilà, vous voyez, on a créé une petite étoile assez rigolote qu'on peut positionner au-dessus de sa tête. Et par contre, c'est un peu violent, donc euh, on peut baisser un petit peu son opacité, la mettre à 30 par exemple. Et voilà, donc euh, bah, c'est rigolo. Hein, on a fait une petite carte euh, assez sympathique. Ce tuto se termine, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à le partager autour de vous et euh, bah, vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous fera super plaisir. Je vous retrouve très très vite pour un prochain tuto. A bientôt